Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à Monza pour la 12e manche du championnat GP3 en terre italienne. Bonjour Charlène. Bonjour. Ah, donc encore après des qualifications un peu houleuses, ouais, voilà, le terme était bien approprié. Donc on a la pole position de Ricky, suivi de Toreros et Christopher. Mathieu 4e. Blondin partira en dernière position, je crois, si je dis pas de bêtises. Blondin a une pénalité de 10 places, mais il a craché son véhicule pendant la qualif, ce qui fait qu'il va partir avec un train de pneu neuf. Non, il me semble que c'est Greg qui part derrière. Greg part derrière. Non, T34 part dernier. Shark 9e. Blondin, il est juste devant. Donc logique. Greg 7e. Ouais, moi, je prends une place que je devrais pas prendre devant. Ah, il est 9e. Donc voilà, je m'écarte, tout le monde a l'air d'avoir pris un bon départ. Hop, alors. Hop, bon. Attention, voilà, Ricky se fait déjà attaquer par Christopher. Torero, ça a dû rater son départ. Oh, il se fait toucher par... Oh, il me semble que c'est Greg. Ça doit être Greg, encore une fois. Il y a eu un sacré crash. Ouais, mais bon, Ricky s'en tire plutôt bien. Christopher a pris un bon départ. Mathieu, 3e. Suivi de très près par Keop, c'est Toreros. Ouh, on arrive à deuxième chicane. Mathieu a freiné super tôt. Voilà. Et du coup, Toreros reprend. Oh là, et puis devant, qui c'est la Mercedes là? Oh là là. C'est Blondin, Shark. Ouais, Milton qui est parti. Oula, qui est parti en travers. Et c'est la Mercedes de qui ça? De... Blondin. De Shark. Non, c'est Shark c'est qui Blondin, est passé... Hein. Oui, mais c'est Shark qui est passé devant. D'accord. Qui s'est infiltré. Et on a déjà un petit écart qui s'est formé à l'arrivée d'Ascari. Arrivé à l'arrivée d'Ascari, c'est pas mal ça quand même. Ouais. Oh, il y a un petit... Oh là, il y a des morceaux de... Pouah, encore... De... On sait pas trop quoi qui volent. Ah, et puis encore eu un... Oh là là. C'est qui? C'est Mathieu ça? Eh oui, c'est Mathieu qui s'est encore planté. Ah, arrive au premier virage, on a failli déjà avoir une safety car quoi. Arrive au premier on tour. On a même fait un tour. À la fin du premier tour, pardon, du premier virage. Voilà, Hamilton derrière. Qui est tout dernier? Hamilton. Tout dernier, tout dernier? Il me semble, ouais. Non. Mais non, c'est pas ah, lui. Non, c'est pas Hamilton. Bah, ça doit être Mathieu. Ouais, c'est Mathieu. Ah, bah oui. Voilà, Mathieu va devoir aller au stand. Christopher s'est envolé pour le moment, premier. Ricky 2e. Voilà, eux ils vont profiter des de batailles des autres. Toreros 3e. Shark qui est déjà remonté à la 4e place. Super départ du pilote Mercedes. Je pense qu'il a évité de crash. Ouais, il a surtout un gros coup à jouer. Blondin 5e. C'est bien aussi hein. Ouais. Voilà, et puis T34 s'attaque à l'extérieur encore. Décidément, il adore les extérieurs ce pilote. Oh là là, et pouah, ça croise. C'est bien, c'est ça bien. Croise, c'est beau, on va rester sur la lutte un petit peu. Oh là, T34 qui est passé ici à l'intérieur à l'entrée de l'ESMO, suivi de Greg. Voilà, Greg qui arrive comme un boulet canon sur le pilote Mercedes. Allez, là il est dans la spi Blondin. Il se décale. Attention à l'entrée d'Ascari. Oh, il est déjà. Il prend beaucoup plus tôt, c'est bien, il coupe pas. Oh là, ils sont deux à l'Ascari, attention, sorti. Oh là, il est sorti un peu large, mais c'est bon, il a l'avantage. Et derrière, il y a... Oh là, ils sont 4 de front. T34 mène le peloton. Blondin, Greg qui se décale, Keox derrière. Oh là là. Et Greg qui passe à l'intérieur, c'est la parabrise, il s'accroche. Oh là là. Il s'accroche. Oh là là. Quel dommage. Oh, et Shark. Ah, désolé, là, j'ai un peu bugué. Et Shark qui a attaqué Toreros. Ah, là, c'est propre. Voilà, dommage, oh là là, Greg décidément. Là c'est manque de chance, hein. Je sais pas, il. Ça se déporte un petit peu forcément dans les virages. Oh ouais. Il attend peut-être camarade. Ouais. C'est bien. Alors attends, parce qu'il y a pas de. Oh là là, le temps de perdre. Voilà, c'est bien Greg. Et Greg le meilleur allié de Shark pour le coup. Pour non mieux. Mais on s'en fiche le meilleur allié ou pas, c'est bien, c'est fair play. Ouais, c'est bien. Dommage parce que c'était beau quoi, c'est l'action était belle. Hein. Franchement, elle était belle. Toreros du coup a chaussé les pneus primes pour remonter sur le peloton. Voilà, Christopher. Oh là là, Christopher il. Il est en train de s'envoler. Une 27-4. Ah, c'est bien le jeu. Il a des gros points à jouer. Une 29-0-85 pour Ricky. Ah, Christopher il est bouillon là. Ah, il est parti à fond. Il tombe 2 secondes plus vite.
Shark 1.27.8, il est dans le même rythme que Christopher à 4 dixièmes près, donc logiquement il devrait revenir dans les roues de Ricky. Oula, ça décolle. Ouais, ça décolle un peu. Toreros 4ème, j'ai pas vu son temps. C'est 34.1.31. 1.28.4. Ouais, les deux là, ils sont plus rapides que Ricky. On va faire un bilan après là. Hamilton 1.29.7. Derrière ça se bataille encore. Et derrière il y a encore de la bataille. Keops Greg. Et Keops qui a perdu un petit bout d'aileron sur sa Marussia. Bon, pas très très grave. Ouais, Greg. Ouais, pourtant il est. Greg il est plus rapide que Keops en pneu prime. Greg qui va se mettre dans l'aspiration. Il a le DRS. Il est ouvert. Keops se décale pour laisser la place. Attention au freinage. Ouais, j'ai peur que Greg freine super tard. Non. Ah, c'est limite. Oh, c'est bien joué. Attention, on peut se toucher. Ah, c'est bien joué. Il était à la limite là. Ouais, c'est propre. Et là, Keops, il est dans l'aspiration. Il a vidé la moitié de son kers. Bah pour protéger sa position. Tout simplement. Greg. Si tu es tout à gauche, tu laisses passer Keops. Non, pas forcément, parce qu'au freinage tu protèges la porte. Là par contre Greg va falloir faire attention parce qu'il a coupé un petit peu là. Il a coupé bien comme il faut la chicane. De toute façon on l'a sur vidéo ici c'est ce qui. Ouais. Ouais. Ça vaut pour chaque pilote. Arrête avec ça. Adéo, je te le redis, je te déteste. C'est-à-dire qu'un jour je vais le frapper avec son 1.27.0.96, ouais, il n'a toujours pas amélioré. Alors qu'est-ce que ça donne pour Ricky? 1.27.432, ah il a amélioré. 1.27.081, c'est Shark qui a le meilleur temps. Oh, le freinage ici est vraiment dur. Waouh, il passe facile celui-là, hein, une fois que tu l'as compris. Ouais, une fois que tu l'as compris, mais faut pas se louper quoi. Ouais, c'est pour ça que tu freines qu'on tournait plusieurs fois sur le circuit. Donc, tu freines 10 mètres trop tard, c'est foutu, non? Même sans trajectoire, j'y arrive bien. Pas celui-là. C'est l'autre d'après, moi, que j'aime pas. Bah, pourtant, il est moins difficile. C'est celui-là, là, que j'aime pas. Attends, celui-là. À chaque fois, je freine soit trop tôt, soit trop tard. Ouais, attention, j'arrive pas à faire comme vous faites, là, à couper les deux. Enfin, couper, non. À mordre sur les deux vibreurs. Tac, ils vont sortir sur le avec. Oh, Toreros, Calmos. Toreros, Calmos. Ah, et ça se bataille derrière. Ça se bataille derrière. On a trois batailles. Voilà, tu y arrives ou. Attends, parce que ça s'attaque à Ascari là. Ça s'attaque à Ascari, il y a un pilote qui est sorti, je crois. Ouais, il y a un pilote qui est sorti. Ah, on vient de voir un fantôme. Ah, c'est Ricky. Ricky s'est torché à Ascari. Attention là, il y a T34 qui arrive. Il l'a pas aidé. Non. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je pense que Ricky est sorti tout seul. On ne peut pas dire, on sait pas. On le verra sur sa vidéo. Blondin du coup 7ème. Et là c'est Greg qui a passé une 28.7. Greg il est pas mal. Une 28.1, il tourne une seconde moins vite que. Moi je fais pas ce temps là, hein. J'ai vraiment pas le niveau pour faire un GP3 en fait. Hein. Et il est en prime en plus. Hein. On peut pas faire un GP4 avec juste moi et deux pecnos qu'on va trouver sur l'internet, tu vois. Là il faut que tu roules avec l'IA là. Mais l'IA ça va te faire rager parce que c'est l'ordinateur quoi, il calcule pas trop si t'es là ou pas quoi. Ah. Il défonce un peu la croix. Mais bon tu peux essayer quoi, au début c'est comme ça que tu. Tu es lié en amateur là et puis tu roules. C'est comme ça que tu apprends à faire gaffe aux autres sur la piste aussi. Parce que l'IA est vraiment imprévisible. Ah, Christopher va toujours premier. Hein, là il est en train de. Oh là, il a bien 5-6 secondes d'avance. Facile. Alors on va prendre le temps. Je dirais entre 6 et 7 secondes. Allez, c'est parti. Alors, on a le chrono là. Quand est-ce qu'on va approcher les lignes? Ah ouais, il a même 8 secondes d'avance. Il a 8 secondes d'avance. Ouais, et Shark est deuxième du coup. Hop,
pouvoir entamer sa remontée sur, sur Christopher. Alors là, le mieux c'est de faire une stratégie à deux arrêts. Pousser son premier relais d'option, même si on galère un peu, faut essayer de tenir le rythme. Mettre les primes aux alentours du 13e tour à peu près. Bon, après faut y arriver quoi, parce que ça glisse beaucoup. Pourquoi il n'y a que ça contre 3 tours? C'est pas beaucoup je trouve pour un circuit qui est aussi rapide. Ouais, mais quand tu regardes d'autres chronos, c'est à peu près pour la durée de la course, hein. Ça fait toujours à peu près 1h30, 1h20 quoi. C'est le plus, celui qui dure le moins longtemps, celui-là de la saison, il dure 1h20 à peu près. D'accord. La charte qui est bien lancée aussi. Faut surtout pas faire d'erreur. Non, moi je l'adore celui-là. Faut surtout pas faire d'erreur. C'est mon virage préféré. C'est bien, il couvre pas. Ascari ? Ouais. De ce circuit-là, ouais, franchement, je l'adore. Mais il y a une bataille, là derrière il y a une bataille. Et il me semble que ça doit être Ricky et T34. Ouais, Ricky a dépassé T34. Ricky il a gardé tout son tiers. À la parabolique où il y a eu un joli crash lundi soir en F1. Ah bon? Ouais. Qui a impliqué. Je te l'ai montré en plus, quand il y avait Margot. Il y avait Rafa. Enfin, au début, c'est Lib qui a surpris Rafa plutôt que Rafa pensait. Donc, du coup, Rafa le tamponne. Ils finissent dans le bac à gravier tous les deux. Rafa ressort, Lib ressort. Il y a, je crois, c'est Adeo qui arrive derrière, il percute. Oh. Derrière, il y a Chris qui repercute. Oh. Et il y a eu un carambolage monstrueux, oui, quoi. D'accord. Moi, je suis arrivé derrière, il y avait Simba devant moi. On essaie de passer Simba, il a été surpris par Adeo qui était à l'envers. Il a essayé de l'esquiver. Il a fini dans le bac à gré. Moi, je suis passé dans le fantôme d'Adeo. Rafa, il a fait 1 ou 2 360. Lib, il en a fait 4. C'était vraiment un truc de d'accord. malade, quoi. Ah, et derrière cette bataille, je crois que c'est Battu qui revient sur je sais pas qui. Greg. Non, Greg, il est 7ème. Kéops, 8. Ouais, tu parlais de l'autre, moi je parlais. Il y a eu. Ah, Mathieu. T34 s'est arrêté. T34 s'est arrêté pour mettre son train de. Ouais, doucement la chicane. Hein. S'est arrêté pour mettre les primes. Oh, mais bon, même en s'arrêtant maintenant, je pense qu'il peut faire 2 arrêts. Hein. Il y a moyen. Ah ouais. Ouais, en poussant bien les primes, tu peux te permettre de plus les pousser que les options. Ouais, parce que les options, tu perds beaucoup de temps. Quoi. Là, au bout d'un moment, la gomme, elle s'effondre. Quoi. Au bout du 10e, 11e tour, ça commence à détendre, il commence à s'effondrer, tu perds 1 seconde à 2 secondes par tour. Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte si tu joues toujours à la limite, mais tu le vois quand tu passes la ligne. Quoi. Pourquoi il y a un machin jaune sur le circuit là? Ouais, il y a un drapeau jaune, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir Toreros 3e. Ah, des fois, on a l'impression qu'il y a des batailles, bah, c'est l'effet élastique. Hein. Ouais, doucement la chicane, Toreros là. Tous, je crois. Vraiment, t'as l'impression qu'il y a des batailles, et en fait, non, quoi. Quand les points, quand ça revient en ligne droite, tu envoies les cartes qu'il y a. Greg. Ah, mais par contre, je suis. Oh là. Ah ouais, bah là t'es ralenti tout de suite quoi, donc c'est pour ça qu'il faut. Moi je déteste hein. Franchement il y a mon virage préféré et mon virage que je hais le plus au monde dans ce circuit. En même temps j'ai pas fait tous les grands prix, hein, surtout il va des pires que je vais te dire que je l'ai aussi. Mais... Bah Singapour. Ouah. Il est bien horrible. Alors Singapour, j'ai essayé. Hein. Alors c'est un circuit qui me gonfle, mais alors qui me gonfle mémorablement. Je crois qu'il gonfle tout le monde. C'est pas que t'as l'impression de pas avancer, tu tombes tout le temps, tu freines tout le temps, tu glisses tout le temps, il sert à rien ce virage, ce virage, n'importe quoi, ce grand prix. Il est horrible. Il est super technique. Ah bah oui, mais moi je viens de commencer, alors la super technique elle est pas pour moi, tu vois. Et d'ailleurs Simba qui a surpris pas mal de monde en faisant un 1.38.024. Alors que Rafa essaie. J'ai fait un tour à presque 4 minutes. Ça fait 3 minutes 12. Ah, 3 minutes 12. Eh, vous avez vu ça? Et bah, Shark, en revenant sur là, Shark a un meilleur rythme là que Christopher. Il est en train de revenir sur lui.
bien comme il faut là. Alors, il y a 3 secondes. Il y a 3 secondes à peu près. 3 secondes, 2 secondes et demie. Allez, elle est en train de revenir comme un boulet de canon. Ah, le char qui coupe pas, il prend son virage propre. C'est impeccable. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est easy win. Celui aussi, j'aime bien. La parabolique. Ouais. Ouais, bah elle est pas dure. Il est revenu à 2 secondes. Alors qu'il y a quand même des gros écarts entre les deux premiers et le troisième. Il y a une demi-ligne droite d'avance. Ça me fait penser un peu au GP2 de Spa. Avec les deux premiers pilotes envolés. Ouais, déjà j'avais 13 secondes d'avance sur Delmas et Delmas il avait plus de 20 secondes d'avance sur McLaren. Celui-là je le déteste. Ouais, voilà, j'ai beau re-regarder comment ils font, comment tu fais, comment tout le monde fait, et je n'y arrive pas. C'est un coup à prendre. Un char qui est prudent, mais justement en étant prudent avec les pneus usés, là, il arrive. Il s'est encore rapproché là. Ouais. Ah oui, il est plus près. Il a 2 secondes maintenant, il a gagné une seconde encore. Ah, quoique. Un petit peu. Ah, c'est là que je suis parti, sur cette chicane. Ah, mais ça c'est horrible. J'ai mordu la chicane, dévanté. Si tu la mords trop, tu pars dans le grave. Ouais, bah c'est ce qui s'est passé. J'étais au cul de Delmas. Bien comme il faut. Non, j'ai mis les deux roues droites sur le vibreur. J'ai accéléré normal, quoi. Et je sais pas, la voiture elle s'est à moitié déportée parce que je me suis fait dévanter. Ouais. Derrière, ça a patiné et. Ah non, c'est pas une excuse. Déventé par un fantôme. Bah si, en contre la montre. Il est en train de revenir. Mais tu vois, si je reste persuadé sur 27, j'aurais fait mieux que ça, hein, le tour où j'ai été jusqu'à. J'étais à ton cul, j'étais à 3 secondes au virage que j'aime bien. À parabolique. Non. Azari. Ascari. Qui se rapproche là, au fur et à mesure des tours, bien ce qu'il fait le pilote Mercedes. Attention, il a loupé un peu son entrée. Attention à celui-là aussi. Là, c'est pareil. Ouais. Voilà, parfait. Si tu commences pas bien, tu sors trop large. Ouais, t'as vu, c'est plus intéressant quand je sais de quoi je parle quand même. Oui, non, oui, on savait une vite fait. Singapour, je le déteste alors. Je veux pas être très objectif. Objectif. Hein. Même si tu, il y a pas beaucoup de pilotes qui l'apprécient, hein, mais. Même ah, si mais il faut être tordu dans sa tête pour l'apprécier. Bah demande à Simba. Ah bah je demande à Simba. Je connais pas, ça sera l'occasion de parler. Bah là on voit que les pneus sont bien usés. Christopher va rentrer au stand. Il rentre au stand. Ouais. Et Sharp, qu'est-ce qu'il va limiter? Ouais. Il limite. Ouais. Il rentre au stand aussi. 13e tour. 13e tour, donc 20 tours avec les primes 33. Et là, imagine, il fait le même arrêt au stand que toi à Monza. Il va ressortir devant. Il va ressortir. Ah non. Oh. Il a gagné du temps, Shark. Il a gagné du temps. C'est bien parce que là, ils vont ressortir devant, devant Toreros. Toreros qui s'est déjà arrêté. En fait, les primes. Il y a 2 tours, non? À peu près. Il y a 2 tours de quoi? Il s'est arrêté 3 tours? Ouais, 2 fois. Ouais, 2 tours, je crois. Non, 3, il s'est arrêté au tour 10. Il s'est arrêté au tour 10? Oui. J'ai pas vu. Ouais, ils sont tous arrêtés, je crois. Sauf, si, parce que moi, quand tu m'as dit que. Ah, bah non, on l'a pas vu! Non, c'est vrai. Vu, non, c'est quand tu m'as dit qu'il s'est arrêté, donc t'es au tour 10. Ah, et on va vite à dépassement de T34 sur Toreros. Oh là, il le bouffe avec le DRS, il se remet bien là. Hop, il freine. Ouf. C'était chaud. Je pense que les pneus sont beaucoup. Ah, bien mordu ça. Ouais, non, mais là c'est toléré. Bon. Là c'est toléré. Enfin, surtout sur un départ. Moi j'aime pas trop mordre à cet endroit-là parce qu'après quand tu réaccélères, ça t'aide plus beaucoup. Ouais, plus. Mais faut pas réaccélérer. Faut laisser la voiture couler en fait. Oui, mais c'est ce que je te dis. Après, ça te laisse pas beaucoup de place pour finir
le petit gauche. On va retourner sur. Je crois qu'il y a une autre bataille là-bas. Ah, quoi que non, il y a encore pas mal d'écart. On va voir ce que valent les deux là, les deux hommes de tête avec les pneus frimes. Alors encore une fois, c'est là qu'on voit un peu la différence entre les temps des F1 et des GP3, c'est que là, à ce moment-là de la course, les F1 tournaient en 1.24, 1.24, 1.25, ouais. Même temps, on s'en fout, les GP3, c'est les meilleurs, point barre. Voilà. Doucement Christopher sur le... J'ai décidé de dire ça parce que... Tu vois, il a coupé un peu trop la chicane, il est mal ressorti. Tu vois, je te l'ai dit, ça n'a plus beaucoup de place après. Ah mais tu peux bien ressortir... Non, mais attends, je l'ai pensé autant que les joueurs de la GP3 là, cette saison, c'est sûr. J'ai peut-être même fait plus que les GP3, que certains GP3. Par contre, il semble qu'il mord un peu trop le vibreur de droite, sorti du virage. Ouais. Christopher est sous pression. Char dans la... Oh, il a pas pris Char. On l'a mis, hein. Ah ouais, voilà, il va devoir... Et puis repartir avec des pneus sales, comment c'est une catastrophe. Ah ouais, ouais. Ça va à cet endroit-là, parce qu'après c'est une ligne droite. Ah, il y a encore de la poussière, ouais. À peu près droite, on va dire. Est-ce que Ricky a le DRS? Non, il est trop loin. Ah, ils sont tous dans leur rythme. Ricky, 1.26.960. Je crois que c'est lui qui a le meilleur temps. Ricky qui a fait la pole en Cali. Ouais. Alors du coup, Charles, ouais, il va devoir cravacher encore un peu plus. Une 26 536 pour Ricky. C'est bien. Moi je suis sûr que tu vois si j'étais pas sorti dans le gravier là à Ascari, j'aurais fait ces temps-là. La fois que je me suis frôlé. J'étais tellement dégoûté que j'ai rage-quitte le jeu, quoi. Direct. Mais j'étais à ça. Tu vois la voiture en face, j'étais à ça ton fantôme. Ah ouais. La première fois de toute ma vie que je te voyais enfin. Tu vois, et que je te suivais en plus. Oh, Torero, c'est... Ouais, il coupe un peu là. Je sais pas ce que j'étais. Je crois, il me semble que j'ai accéléré un peu trop fort sur le vibreur et du coup, bah, comme t'as dit, tiens, je suis partie de l'autre côté dans le bac à sable. Super. J'étais dégoûtée. Ricky, il n'utilise pas son tiers. Il a fait un problème, hein. Non, parce que même quand le car s'il fonctionne pas, tu peux l'utiliser. Tout le monde le sait, ça? Non. Bah, ils le sauront maintenant s'ils regardent la vidéo. Voilà. Ah, s'ils regardent, ils l'utilisent. Ah oui. Torero, s'il tourne en combien là? Une 26-7, là, c'est il pas mal aussi, est un dixième moins rapide. Ricky, il améliore ou pas? Non. Derrière, on a Mathieu. 1.26.8, c'est pas mal. Je crois que c'est Blonde hein, qui... 1.26... Ouais, ils sont tous à peu près dans le même chrono. Hein. Ah, T34. 1.26.04. 0.40. C'est beaucoup. Ouais. Plus grave, ici. Non. Oh. La F1, c'est de la précision. Ah, c'était T34 alors qu'il y a le meilleur chrono, là. Bah, on fait un tour pour voir, mais... Une 26-0-40. Une 27-9 pour Gray. Une 28-1 pour Hamilton. Une 26-7 pour Blondin. Une 27-1 pour Keops. Une 26-5 pour Christopher. Une 27... Shark. Ah ouais. Ah, il a remis des options, Shark. Il a remis des options. Ah oui. Je croyais qu'il avait mis des primes. Non, ah du coup ça peut. Ouais, du coup il va faire trois arrêts là, Char. Quoi? Ah bah j'ai mis une 26-9.
Alors que derrière, elle a une bataille à 3. Voilà, et c'est Mathieu qui s'est fait dépasser par... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est les bruits de gravier. Du coup, Mathieu va redoubler les 34. Ouh, ah, T34, ils prennent super tard. Mais ça passe. Ah, ça passe. Ouh, la chasser. Voilà. Chaque fois aussi, mais... Enfin, pas chaque fois, mais souvent. Je crois qu'il y a quelqu'un au stand. Il y a quelqu'un au stand. Ah, il a pris une arme sous la pression de Blondin, Milton. Bien joué. Bah tu vois là par là où il est sorti, c'est ce que je fais à chaque fois. Je reprends la piste à cet endroit-là. Je me dis que passer sur le petit vibreur, tu vois, c'est plutôt sympa. C'est Greg qui s'est arrêté pour remettre les options. Une 26-1 pour Christopher, il enfonce le clou. Une 26-5, putain, et Shark il est moins rapide que les autres en pneu. En pneu option. Hein. Pas ce qu'il tente. Une 26-1 aussi pour Toreros. Une 25-7. Pour Ricky. Fais gaffe Ricky parce que tu coupes trop. Ah, il s'est fait une frayeur. Là. Il y a un pilote tout seul là-bas dans le deuxième secteur, c'est Blondin. Si je dis pas de conneries. Ah non, c'était 34. Pardon. Bah, Blondin est 6ème. Mathieu est en option aussi. Il vient de s'arrêter Mathieu. D'ailleurs il va tenter un dépassement sur Kéops. Fallait que je dise quelque chose? Non. Je sais pas parce que je me regardais bizarrement. Non. J'ai des fourmis dans les pieds si tu veux savoir. Dans le pied. Intéressant. Oui, c'est très insupportable. C'est marrant, hein, mais j'ai l'impression que chaque Grand Prix se répète en ce moment. C'est-à-dire que, voilà, ça y est. Tous les joueurs sont... Les coureurs, pardon, sont... Ok, quoi. Tu vois ? J'ai l'impression que c'est peut-être une impression, mais... Il va le doubler, là. Il va le doubler. Ils viennent de passer... La... Voilà, détection du DRS. Et là, il va le doubler. Un peu de Kers. Même pas. Ah, si. Oh, c'était pas la peine d'en mettre autant là. Bon, il a vidé tout son cœur, c'était pas la peine, hein, mais bon. Voilà, au risque, voilà, au risque de se planter en arrivant trop vite. Ouais, c'était pas la peine, même en mélange. Tu t'as même pas besoin, il avait juste à mettre du DRS, il pouvait rester en mélange 1, il l'aurait doublé quoi. Enfin bon, il a réussi son dépassement. A voir si il va être assez loin pour. Pas se faire redoubler. Après. Ah.
Non, non, il est trop loin, Kyox. Trop loin. Quoi, oui, parce que là, il y avait trop les panneaux. Voilà. Oh, il a foiré son freinage, Mathieu. Il a peut-être eu peur, hein, parce qu'il a peut-être vu la flèche de Kyox derrière, tu sais. Ouais, peut-être. Voilà. Oula. Qui est onzième? Nous. D'accord. C'est le fantôme. Tout va bien. Je suis pas fatiguée du tout. Je sais pas ce qu'il fait, Charles. Pas ce qui branle. Pourquoi? Il est en option et il tombe moins vite que. Et là, du coup, ses pneus vont s'user plus vite que ceux des autres. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il a mis des options. Mais... Je sais que je peux dire. Ouais, ouais. J'y vais. Kyox, Mathieu, deuxième. Acte 1, scène 2. Il a super bien pris Mathieu Lachkan. On voit qu'ils sont à la... Regarde, ouais, ouais. Alors qu'en fait, ils pourraient faire ça fluide, hein. Oh, moi j'arrive pas. Hein. Moi, je suis sûr que j'aurais une manette, j'arriverai pas. Oula. Ouais, ça coupe. Ça, c'est coupé. Ça coupe. En plus, tu gagnes pas de temps quand tu coupes sur ce truc-là, parce qu'avec les... Si. Là où il a coupé, s'il a gagné du temps. Avec les chicanes qu'il y a. Là où il a coupé, il a gagné du temps, je te dis. Bon. Oui, il a le DRS, comment il le double, oui, là. Hein. Il a encore niqué tout son kart, oui, il a encore niqué tout son kart. Bon, là, ça va, il l'a bien pris. Moi, je crois que je joue pas assez avec le feu, en fait. Je les vois beaucoup plus mourner. Bah oui, mais en même temps, t'as pas autant de temps de jeu. Faut jouer. J'ai une vie, moi. Bah ouais, moi aussi. Bah, t'as dit c'est la F1, je crois. Bah oui. Lundi soir, mardi soir, mercredi, GTA, avec les pilotes de la F1. Jeudi, entraînement. Vendredi, GP3, et après on commence. Et encore, je suis sûre que j'ai oublié l'entraînement, parce que mercredi, tu dois bien tourner quand même, parce que... Voilà. Ah non, le week-end. Le week-end, tu tournes aussi, parce que lundi et mardi, du coup, t'as les grands coups. Bah ouais, bah écoute, faut bien que je m'entraîne, hein. Faut bien que je m'entraîne, hein, sinon... Entraîne-toi à pied pour faire des cartes, oui. Sinon, je régresse. Bah c'est bon, les cartes, je les fais. Pas besoin de m'entraîner. Il m'a fallu une semaine pour faire plus que les autres, qui sont là depuis plus d'un an, alors c'est bon. De toute façon, quand je vais reprendre le basket lundi, je vais faire ça. Ouais, bah, viens pas te prendre si tu te repètes la cheville. Ah, bah, c'est ça où je dors sur le canapé devant la F1, excuse-moi, mais bon, voilà. Bah, si tu te repètes la cheville. Ah! Oh! Oh! Dans le mur et les stands, il va y avoir une safety car. Ah bon? Je pense. J'ai pas vu. Bah je pense. J'ai pas vu de petit point. Non mais quand Christopher va arriver, il va certainement y avoir une safety car. Ils attendent aussi longtemps? Hein, ouais. Bah, demande pas c'est quoi de master. Hein. D'accord. Oh la bonne, il a dû se cracher dans le mur et les stands. Alors, question s'il y a un peu de quoi. Pas vu. Ah, pas de safety car. Non, pas de safety car. Pas de safety car. À moins qu'ils nous la sortent dans 15 tours. Hein. Écoute.
Oh il, fou, c'est passé. Mais celui-là... Il a dû sauter sur les freins. Non, mais celui-là, je te jure, si tu freines... si tu freines un peu plus tard que ce qu'il faut, tu peux le prendre, hein, mais la voiture... En fait, ça bloque les roues arrière, donc du coup, ça glisse. Après, tu peux, mais tu peux le prendre. Tes petites marches arrière comme des... Ouais, voilà, mais tu peux. C'est limite ça, quoi. Mais tu peux le prendre, mais franchement, c'est chaud. Hein, pour... Ah, mais ils le prennent trop bien. Moi, je suis jalouse. Hein, de cette chicane. Est-ce que Charles il est en train d'essayer de tenir aussi longtemps? Regarde, que c'est veut. Parfait. Pourquoi moi j'arrive pas à faire ça? Oh, je t'ai dit, il faut jouer. Bah, tu m'excuseras, mais je peux pas jouer parce qu'il y en a un qui prend tout le temps la console. Bah, ça va. Du coup, je suis pas là, t'es là. Hein. Ah bah propre, j'ai joué toute seule. Mmh. Bah je fais quoi? Bon, toi t'aimes ça. Enfin, j'ai pas de jeu matin, mais... Je préfère aller me promener quand il fait beau que... rester à la plus seule. Enfin bref, on va pas avancer le sujet, hein. Sortie d'escalier. Il y a un culé qui m'a redoublé un autre. C'est Tauros. Si, tu viens de doubler le monde. Charles. Non, il y en a un autre derrière encore, je crois. Non. Non. Charles, il a dû faire une erreur encore. Boum. Et voilà. Ah, c'est pour ça. Ça va parce que tu vas pas vite au final donc. Ah bah Torero ça a disparu. Et bah Torero, de toute façon, Torero s'il l'a dit, il avait des problèmes de connexion. Oui. Voyons, il a disparu en direct live quoi. Et Ricky du coup est revenu. Du coup j'ai l'impression que Charles est obligé de freiner plus tôt. Bah mais en même temps, ses pneus sont morts comparé à ceux des autres, c'est juste pour ça que. Ouais. Je sais pas pourquoi il a mis des. Je sais pas pourquoi il a mis des pneus au fion. Alors que les autres. Il a sont... kiké à l'affût. Oh ouais, doucement là. Il l'a touché là. Ouais, il se rend dedans. Il l'a pas vu toucher là. Bah il me semble. Ouais. Charles, il aurait plus bougé que ça quand même. Pas forcément. Je crois que Christopher va gagner. Oh là là. Voilà. Ouf. Ah, c'est peut-être voulu. Non, pas bizarre ce truc. Il y a une qui s'arrête au sol. Ouais, c'est Charles. Est-ce qu'il va faire trois arrêts? Oui, bah il est obligé. Il remet des options. Je sais pas où il fait ça. Ah, la safety car. C'est une blague. Il y a la safety car OMG. Deux tours après. Non mais. Ah putain. C'est du coup de la gueule. Oh là là, énorme, énorme. Oh c'est juste énorme. C'est moi ou c'est n'importe quoi? C'est vraiment n'importe quoi, non? Bah, du coup, je sais pas comment ça va se passer parce que Christopher il est premier. Charles. Et les autres ils vont être à un tour là. À moins qu'ils peuvent doubler la safety car. Non, on va voir ça. Qui vont pouvoir doubler la safety car? Parce que la safety car elle est partie entre Christopher et Charles. Bah oui. Et je sais pas s'ils vont pouvoir la doubler. Ah si, 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 c'est bon. Ah. Ah ouais, parce que là sinon c'est pompon. Attention parce que s'il la percute, disqualification directe. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Ouais, mais bon, elle est bien rangée là quand même. Ouais, ouais, elle est bien rangée, mais tu sais, des fois il suffit d'un manque de concentration. Oui, ou que la safety car elle se téléporte en plein milieu de la route aussi. Hein. Bah, du coup, ça va relancer le Grand Prix. Ça. Plus rien ne m'étonne dans ce cas. Ça va relancer le Grand Prix. Attention, Greg. Hop, il était presque à un tour quoi. Mais plutôt, hein, parce que la safety car elle est pas loin, mec. Hein. Ça y est. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il a traîné 10 mètres avant pour être sûr? Du coup, bah, Shark, il a pas perdu tant que ça. Hein.
con, mais du coup ils vont tous repartir là. Shark il a juste perdu une place quoi par rapport à Ricky. Bah j'espère juste qu'il ne va rester que la 7 pick-up va pas rester tout le reste du champ du GP quoi. Et attention parce que là Ricky je sais pas ce qu'il va faire, mais au 20, il va y avoir 28, 29. Ouais non il va être obligé de se. Alors soit Ricky va continuer jusqu'à la fin, mais il va finir sur des œufs, soit il va s'arrêter pour mettre des options. Là je sais pas comment ça va se terminer quoi. Je sais pas comment ça va se terminer parce que Shark il va falloir qu'il le dépasse. Ah ça va, je sais pas comment ça va se passer, la suspense totale. Du coup c'est eux qui vont faire une belle opération parce que Blondin va pas marquer de points. Il va marquer un point Blondin. Pourquoi un? Parce qu'il va avoir fini dixième. Dixième c'est un point. Ouais. Donc là c'est les trois là, les trois hommes qui suivent Blondin qui vont marquer un gros coup là. J'en étais sûr de ça, ça avait fait cool l'année dernière. Deux tours après la petite carte qui sort. Là. Je trouve pas ça normal qu'elle sorte pas tout de suite. Non mais c'est une grosse blague, non? Bah oui, c'est une blague. Soit elle sort pas, quoi, mais pas code master, hein, merci. Comment c'est possible des bugs aussi énormes? Quand ils. Je sais pas, quand ils conçoivent les jeux, ils pensent pas qu'il y a des gens qui vont faire des forums, des. Bon, je sais pas, ils doivent très bien savoir qu'il y a des forums, parce que il y a des vidéos sur YouTube, il y a des trucs, je sais pas, c'est peut-être pas leur priorité, j'en sais rien. Bah, à la base, bah ouais, mais ils ont fait un jeu axé pour tout public, quoi. Un mec qui joue tout public, déjà il va pas jouer en ligne, il va jouer en mode bah, solo, oui, bah, en mode ça, solo, t'as pas, lui, voilà, lui. En mode, je sais pas, où il se doute pas qu'il y ait tant de gens qui jouent autant, je sais pas. Toi, pourtant, il doit bien avoir des gens qui ont envoyé des mails ou des trucs comme ça à Codemaster. Mais ils prennent même pas de la peine de répondre, alors ils doivent pas les lire non plus. Hein. Je sais pas. Ils doivent avoir une boîte mail surchargée, tu sais. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas. Là, c'est franchement. Dans tous les cas. Bah, Toreros, du coup, qui avait fait sa série de 4 troisième places, 3 ou 4 troisième places d'affilée. 3. Ouais, 3 troisième places d'affilée, sa série c'est. Et qui n'est pas sûr d'être là à Singapour. Et qui n'est pas sûr d'être là à Singapour pour cause de déménagement. Ouais, bon, tu peux plus le dire. Bon, si, de toute façon, on peut le dire. Hein. Ouais. J'espère qu'on verra parce que tour de France, quand même, c'est assez prometteur. Prometteur ce qu'il fait. Je pense que la saison prochaine, il va envoyer des lourds, tu vois. Je fais mes pronostics pour l'année prochaine déjà. L'année prochaine, on n'est même pas sûr d'avoir un championnat. Donc, pourquoi? Bah parce que déjà on sait pas ce que vont nous prendre Codemaster à propos de. On n'a pas de nouvelles à propos de F1 2014. Donc, et F1 2014 sera certainement exclusivement sur PS4. Ah! Ah, il y aura un souci. Donc là, il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci parce que moi, je t'achète pas une PS4, hein, je te le dis. Non, mais moi, je mettrai des sous de côté pour l'acheter, t'inquiète pas. Vous êtes de gros fans. Tiens, mets-moi du sirop de pêche et de l'eau, s'il te plaît. On va donner du sirop. Il est sur le bar. Ah, c'est reparti. Alors, allez, la Charlène, là. Ah, bah allez, j'étais en train de garder mon talon, désolé, c'est reparti. Allez, allez. Et ben. Christopher Poivier, Ricky qui est deuxième, qui colle le cul. Je vais pas changer parce que monsieur a décidé d'allumer le volant pour faire les commentaires et comme je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne touche pas. Mais je serais bien capable de quitter la session moi, tu vois. Faut appuyer sur start quand même. Oh Shark il fait pas ça. Oh putain c'est dommage. Oh là 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 là. Oh du coup c'est Hamilton, attention! Oh là là! Oh là là! Oh là là! C'est l'hécatombe. Mais je sais pas comment ils ont fait pour se toucher parce qu'il y a l'espace quand même. Ricky il a mordu le bord de la piste. Ricky, Shark. Bah c'est Ricky qui était à l'extérieur. Mais Shark il était à sa gauche. Ah bah merde, j'ai pas vu la même chose que toi. Il y a quelqu'un qui attend là, c'est le Shark.
Oh putain. Ouais. Non. Oh, c'est un pilote Mercedes, donc ça doit être Mathieu. Mathieu qui n'a plus d'aileron encore. Décidément, McLaren aura investi des ailerons pour le GP3. Bah, du coup, Christopher qui continue tout seul. Allez, Shark deuxième. De toute façon, Shark, je pense pas qu'il avait à attendre parce qu'il était pas. Je pense pas. Vu sa position. Qui a fait la faute là? Hein? Qui a fait la faute? C'est Ricky. Bah, je pense parce que. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Là, c'est. Mais je pense que si Shark n'attend pas, c'est qu'il estime. Il estime ne pas avoir besoin d'un. Enfin, il estime ne pas être en tort. Je Donc. Merci. Ah. Et puis en plus de ça, il stream. Donc. Donc il sait ce qu'il fait. Ah, c'était parce que c'est bizarre. Mais du coup, ça relance un peu la course, tout ça. Je sais, je suis égoïste, mais j'espère juste que je vais pas devoir débattre de cette collision. Parce que du coup, je vais me confronter à mon modo. Ça va être pas mal. Non, il n'y aura pas de cadeau parce que dans tous les cas. Non, mais faut faire la part des choses. Dans tous les cas, il y a les trois hommes en bleu qui interviennent et voilà. En plus, moi je connais pas forcément les règles et tout ça et machin et tout, donc. Bah bravo. Bah je peux pas tout savoir en même temps. Hein. Oh, Shark attaque Hamilton! T34 Pro, putain! Oh là 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 là! Ouais, j'étais tellement omnibilé par la bataille. Attention au freinage! Oh là là, mais le temps qui passe super tard! Attention, il s'est loupé! T34 esquive! Attention au bout de gomme, voilà dans les graviers! Il parvient à repasser devant et derrière c'est Greg qui est en train de revenir. Oh putain! Oh putain! Ah Greg, pas coupé hein. Mathieu décidément pourrait faire une bonne course mais il enchaîne les erreurs. Kiops 3ème. Oh, il y a un carton. Les points ils sont tellement proches qu'on dirait qu'il y a. Là c'est T34 qui va attaquer Keops qui est parti dans les graviers. T34 en option, Keops en prime. Ah, il fait l'intérieur, il va avoir le DRS. Oh attention, le coup de roue. C'est pour dire, je suis là. Regarde, je suis là. Oh, je ne fais pas bien dans ma tête. T34 a su faire la différence avec le. C'est propre. Quoi? Je cherche un signal.
Bah voilà, c'est malin. Quatrième, ouh. Oui, je viens de se faire doubler, c'était 34. Il est troisième, d'accord. Il est troisième. Et 34, il a un coup à jouer aussi. Un coup à jouer. Une 24-5. Une 25-6. Une 24-6. Une 25-1. Une 25-7. Je crois que c'était 34 qui est le plus rapide sur la piste hein, à l'heure actuelle. Et si c'est le cas. Il va se faire aspirer. Monsieur dépassement. Si tu veux le chapeauri. Je peux participer aussi. Vas-y, encourage les pilotes du jeu de France, s'il te plaît. Fais mieux. Fais mieux. Oh, Caps qui double. Oh, attention. Oh, attention. Et moi aussi. Oh, attention. Oh, c'est ça chaud. Passe. Oh, c'est beau. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je crois que j'aurais du mal à garder ma trajectoire en ce moment. Enfin, j'ai bien vu en même temps quand j'ai fait des petits tours à Gaël. Les 34 à le DRS. Oh, attention ici Ascari. Oh là là, et puis c'est Ricky qui arrive derrière. Il vient se mêler à la bataille. Là il voit deux avoir le DRS. Elle est restée combien de temps du coup? Deux tours? Bah deux tours comme d'hab. Pourquoi comme d'hab des fois elle reste plus longtemps que ça? Non, hein. Non, toujours deux tours. Ah bon? Oui. Ah bah c'est tout moi en spectateur derrière sur mon canapé qui trouve ça bon. T34 qui ressort beaucoup mieux de ce virage. Tout de suite DRS dans la spi. Attention. Ah, c'est bien que Keops garde bien sa ligne. Ah, normalement là le dépassement devrait être. Voilà, parfait. Keops se remet dans la spi. D'ailleurs ça me fait penser à. Ah, Deo et Rafa suite au carambolage qu'il y a eu avec Lib et les autres là. Mmh. Adeo et Rafa pour remonter. Mmh. Ils se laissaient passer à tour de rôle dans cette ligne droite. D'accord. Pour faire de l'économie d'essence. Et en fait ils se suivaient en aspiration. D'accord. Pour pas perdre de. Enfin pour gagner du temps quoi. Et... Oh là là, il a raté son freinage, Kéops. Ouh. Là normalement il est censé le laisser passer. Hein. Quoi que je sais pas, je sais pas s'il a raté son freinage ou s'il a freiné super tard et que. Attention ici. Ah, on a une belle bataille pour la troisième place. Oh, il a coupé, il y ressort beaucoup mieux, attention. Oh, il a été 34, il a eu un réflexe. Il va avoir le DRS, Ricky va arriver aussi. Et Caps va faire le gros, je pense. C'est pas fini, hein. Et c'est Ricky ou Hamilton, ça? C'est Hamilton, c'est pas Ricky, c'est Hamilton. Oh là là, c'est magnifique, hein, ils sont touchés, dommage.
Oh, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ah, dis donc, d'être devant, ça leur donne des ailes, tiens. C'est GP3. C'est bien. Et c'est bien, j'aime bien. C'est Greg qui revient derrière. Bah en même temps, ouais, il y a eu l'accrochage avec Shark et Ricky. Tout à l'heure. Bah c'est ça qui a permis à Christopher ah, oui. de... Et Ricky, il est où là? Ricky, il est 7ème. Tout à l'heure. Quoi qu'il y ait quelqu'un qui rentre ensemble. Donc... Voilà, Greg 4ème. Ok, hop, parce qu'il va refaire une erreur encore. Combien il tourne Greg là? Une 25 mètres, ouais, c'est pas mal. J'ai entendu une 24 heures, c'est quand même pas ce que c'est. 24,5 pour Mathieu. C'est meilleur que toi ? Si, je crois. Ricky est passé 6ème. Je pense que Ricky va aller au bout. Je pense. 25-4 pour Greg, dis donc Greg. Ouh. Ah non, c'était. Ah, du coup, il n'y a plus de bataille. Non, ça devait revenir les trois là. Richard qui coupe pas hein, du tout. Bon, il aurait fait sa course. Je pense qu'il aurait dû s'accrocher avec. Pas avoir un souci. Il pourrait pas faire que je revise une image parce que alors là, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Tu as tout ça ? Non. Ah, il y a quelqu'un qui s'est arrêté là. C'est Shark qui s'est arrêté. C'est ça. Shark s'est arrêté et il va finir. Il va finir en prime. Alors est-ce qu'il fait bien de s'arrêter maintenant? Est-ce qu'il fait bien de s'arrêter maintenant? Là pour le moment il a le champ libre. C'est pareil, c'est pas mal. Ah non, c'est vrai, la petite carte est sortie, un petit guetteur. Ouais. Non. Ça fait des trucs fous, mais ta bouteille. Ah bah du coup je vois plus. Ah ta bouteille d'avant. Arrête de crier comme ça, on dirait que... Oh on va être 3. Oh là là. Mais Greg s'arrête, il fait 34 aussi, pourquoi il est rentré, il a pu rentrer. OMG. Il est con ou quoi? Pardon. Il l'a vu rentrer, pourquoi il a... Ah non, Greg a une pénalité. Oh putain. Je sais pas si c'est pour putain là-bas, j'ai eu peur là. Oh
crois qu'il a dû avoir un coup de frère. Non, non, mais quoi qu'il se parle dans le... Oui. T34, il a remis... Ah oui, mais moi, je me suis même pas inquiété, j'ai même pas calculé, c'était de la même curie. Bah oui. À T34, il a remis des options, là. Du coup, ouais, normalement, Tresto, ouais, c'est faisable, c'est tenable. C'est tenable, il repart derrière deux Ferrari. Bah, du coup, c'est Sharp, là, du coup. Greg, qui continue de couper ici, il perd du temps. Du coup, c'est Sharp, quoi, qui fait la bonne opération. Parce que il a pas eu à se battre avec eux. Mais il est troisième là. Ouais, il est troisième et Caps va s'arrêter. Parce que bah regarde tes pneus. Je sais pas, moi j'arrive pas. Bah, tu vois le trait au milieu là. Voilà, donc c'est là que tu sais que les pneus commencent à être noirs. Ça fait penser que j'ai pas de Zara avec ce joli trace de pneus de dérapage. Et Christopher s'arrête. Il lui remet quoi? Il remet des options. Il remet des options. Pour 12 derniers tours, à mon avis, la fin de course va être horrible. Parce que. C'est bon parce que, ouais, parce que Charles. J'ai pas 12 tours avec les options. Si, 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 tu les fais, bon. Mais je pense qu'il va finir avec des pneus bien usés comparé à Charles. Okay, et derrière, ah, c'est Kéops. Et derrière, ça se bataille. On va retrouver les trois encore. Ah non, Greg, il est quatrième. Donc c'est Ricky. Hamilton était 34 qui va tenter un dépassement. Attention! J'envahis. Non, il se revanche. Oh, il est parti large. Oh, c'est 34 qui ressort mieux. Il va le doubler. Oh, Hamilton, il met tout son tiers. Il met 3 Ah, il veut pas se faire doubler là. Non, mais T34 est à l'aspi. Et quand il y a aspi, en général. Attention, il va donner l'accrochage. T34. Oh! Et voilà, okay, et voilà, 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 le truc à pas faire c'était ça. Ça c'est la le piège. C'était ça. C'est le piège. Hein. Vouloir couper ouais. Pour aller plus vite et en fait. Et en fait pas du tout. Attends. Ouais, il faisait bien tout à l'heure, il restait bien derrière. Ah bah il a peut-être mal géré aussi. Et... Ouais, Hamilton il revient sur Ricky, il a le DRS, il revient sur son équipier. Ah, il ralentit, ouais, il ralentit, ouais, il ne va pas s'accrocher. Est-ce qu'il y a une stratégie entre les deux, on ne sait pas. Je ne sais pas, mais... J'ai vu le beau drapeau Italia. Est-ce que j'ai donné ma déco au petit jeune italien au boulot? C'est bien. Il était trop content de montrer son papa. Bref, on s'en fout. Milton, il est plus rapide, il faudrait qu'il le laisse passer Ricky. Il est en train de se gêner plus qu'autre chose. C'est marrant ça en fait, j'ai fait mon repas à Athènes sur l'Italie en même temps que le Manza. Non? Ouais. Il mange quoi? Je comprends pas pourquoi il coupe autant. Oui, c'est peut-être. C'est pas le premier, hein, non, mais c'est pas le premier pilote qui fait ça, qui coupe autant sur le. Ah, mais la chicane à droite. Il a peut-être fail. Ah, tu crois que c'est des fails à chaque fois? Bah, ça arrive des fois, ça arrive. Il faut qu'il le laisse passer, Ricky, là, faut qu'il le laisse passer. Il est plus rapide, ils sont en train de se gêner. C'est con. C'est con ce qu'ils font là, c'est con. Enfin, Ricky quoi, là c'est con parce qu'il est plus rapide Hamilton. Il se parle de ces deux pilotes? Je sais pas. Alors attends, parce que normalement je suis pas des mutes de tout le monde. Non mais si toi ils t'ont mute, tu vas pas les entendre. Normalement ils m'ont pas mute. À moins qu'ils l'ont fait. On peut le faire entre le. Oui. Et le... Non, pas entre la qualité. Bah non alors, puisqu'ils m'ont pas mute avant. Mais il n'y a pas de son donc pas de discussion pour moi. Et du coup voilà, bah c'était 34 qui en profite. J'aurais pu avoir des petites infos. Ah là, T34 qui revient derrière Hamilton. Ah mais c'est sûr ça. Bah là, c'est sûr, ils sont en train de se gêner. Oui. Ah il a ralenti pour avoir... Oh, il s'est fait avoir Hamilton, il s'est fait avoir, bien joué T34. Ah ça c'est très beau. T34 le petit courbe. Et Ricky rentre au stand. Et T34, est-ce qu'il a le DRS? Il a le DRS, bien joué. Ah c'est bien hein. Mais il avait fait le même coup l'année dernière. Il l'a trollé. C'était au premier Grand Prix, je crois que c'était en Australie. Christopher qui a... Je sais plus si c'était en... Je sais même plus si c'était en Australie d'ailleurs. Christopher qui était coéquipier avec Johan. Ouais. Christopher, il y a eu sa polémique parce que tout le monde croyait que Christopher avait laissé gagner Johan alors qu'en fait il avait freiné. Attends, vous voulez le monde derrière. Il avait freiné pour laisser pour avoir la zone de DRS et il s'est fait baiser parce qu'il avait freiné trop tard. Merde.
Et là, Tetra4, il a bien joué le coup. Ah, c'est pas évident, moi je sais pas si j'aurais pensé à faire ça. C'est fourbe hein, comme idée. Hein. Ouais, c'est fourbe, il a bien joué. Tetra4 le fourbe. Il a bien joué son parcours. Tetra4 le fourbe. Et là, c'est qui? C'est, bah, c'est Mathieu, parce que Torero ce n'est plus là. Non, arrête. Mathieu va devoir s'arrêter, encore une fois. Bon, alors, j'ai l'impression qu'ils ont fait je sais pas combien d'arrêts là, avec la safety car, le truc, le machin. Non, il devait être à 3-4. Entre tous les arrêts, tout. Non, bah tu rigoles ou quoi, Mathieu? Il doit être à plus que ça. Ouh, elle est pas sur une erreur. Et là, du coup, Mathieu va en profiter parce qu'il ressort beaucoup plus vite. Même si Hamilton va à la spi, Mathieu a le DRS. Il l'active pas. Ou ça me. Ah si, c'est bon. Oh, il l'active un peu tard. Hein. Bah ouais, plus d'avant-freinage, je sais pas si ça sert à quelque chose. Excusez-moi, c'est moi qui parle. Si, si, ça sert parce que là, tu même un peu avant le freinage, tu gagnes pas mal. C'est bon? Ouais. Enfin, tu gagnes assez pour que tu ne puisses pas tenter un dépassement. Mais j'avais un truc à dire la deux secondes en fait, ça m'a coupé. Les arrêts avec la safety car. Non, oui, je disais, Mathieu, il a dû s'arrêter plus que ça, puisque. Ouais, il a pété deux cases d'aileron, donc déjà deux arrêts. Mais il a changé ses pneus en même temps quoi. Mathieu, je pense qu'il il aura fait 4 arrêts, quoi, 4-5 arrêts. Ouais. Ça me fait bizarre là, tes changements de vue là. Bah, c'est dégueulasse. Oh bah. Oh, tout le monde rote, tout le monde pète hein. Oui, mais tout le monde ne fait pas ça quand il est enregistré. Crado, quoi. Bon. Hop, le grand dentiste. En même temps, je parle de ça. J'ai pas osé le dire. Hein. Non, mais je vais pas balancer les dossiers non plus, quoi. Donc, tu me dis tout seul. C'est pour ça que je ne balance pas les dossiers. Ouais. Je mets court à la conversation. Ça m'énerve. Arrête. Arrête, parce que des fois, même on a des discussions sérieuses, tu me fais. J'ai l'impression que tu t'en fous. Un jour, je vais t'en mettre une. Essaye, moi. Essaye-moi! Ouais, essaye-moi! Ouais. Essaye-moi! Essaye-moi! Non. Oula! Méfie-toi! Méfie quoi? Ma responsable m'a dit tout à l'heure parce que j'étais en train de rigoler sur je sais plus quoi et il y en a une, elle a sorti une connerie et moi j'ai rigolé tu vois, mais elle m'a dit Jared, tu fais peur à taper des délires tout seul. T'as trollé quoi. C'est parce que je te connais pas encore. Non mais j'avais envie de dire oh putain bah si tu savais. Oui, surtout quand t'as vu, c'est pire. Tu devrais y aller un jour, Boris. Enfin non, je t'emmène. Mon menu. Au taf, bourré. Ah ouais, d'accord, ouais, il est bien propre. Bah ouais, ouais. Avec ton gros jogging US Marshall, comme ça c'est bon, t'as la tête, t'as fait virer direct. Regarde le gros pâté là, comment ils sont. C'est qui là, c'est la troule? C'est la troule. C'est la troule. C'est la troule, c'est la troule, tu verras, tu seras plus troule. Oh. Non, mais des fois je me demande ce qui se passe par la tête. Dans ta tête. Bah je sais, mais moi je sais pas ce qui se passe. J'aimerais bien être une micro-souris pour passer. Une micro-souris pour passer. Bah oui, bah, parce qu'une souris c'est un peu trop gros. Mais faut que tu sois dans ma conscience, que tu viennes dans moi quand on Oula. Faut qu'on fusionne. Ah bah non, faut pas qu'on fusionne. Hein.
Toi aussi t'es chelou. Ah bah t'imagines si on a des enfants un jour. Oh là là, la fusion. Bah non, parce que ça veut rien dire. Ça. Mais si, ils seront aussi dérangés que nous. Non. Bah. En quoi que quand on rêve. Les chiens ne font pas des chiens. Hein. Ils font des chiens. Ouais. Bravo. Le pot. Bon, revenons à nos moutons. Horrible. Non. Ah non. Non. Quand je fais ça, Léo, il me dit... Quand je fais... Oh. Parce que tu sais, il a des rires forts, des fois, il est... Et je fais... Non, oh, t'es vie. La meuf a pété un plomb. C'est un fou rire. Allez, on l'a perdu. Et le métier, on a perdu Charline Violet. Oh, on est plus que les papiers, quoi. Ouh, je vois plus rien. Je l'ai bien imité. Ouais. Reste à tour. Ouh là là. Une 23-990 pour Chop. Ouh là là là. Une 24-131, ils sont à 2 dixièmes, Chuck est plus rapide en prix, Christopher commence à en fait utiliser. Non. Pourquoi tu fais chronique ça? Oh, je sais pas. Comment ça pute un peu. Je m'excite pas. Je m'excite de la pédale. Ah putain, il vira, eh, les virages là-haut là, mais à 130 la pompe 400. Quel. Mais comment ça t'es passé par là-haut toi? Bah tu peux passer par en haut. Je l'ai dit hein, quand il y avait Margot aussi hier, hein. Ça se voit que écoute quand je parle. Oh bah oui, tu peux parler hein. Donc oui, tu peux passer par là-haut. Et d'ailleurs, là la route, je me suis fait baiser tout à l'heure parce que la route elle était dégagée, ils étaient plus en travaux. Enfin, ils étaient en travaux, mais attends, tu peux passer, mais il y a toujours les travaux, il y a plus les. Oui, il y a les travaux. Mais là tout à l'heure, il y avait les machines, elles étaient éteintes, donc on pouvait passer, mais moi je savais pas. Donc du coup, je suis... En fait... Mais tu passes où pour passer pour. Et tu vois, t'as un chemin à droite là, ça s'appelle chaud, je sais pas quoi là. T'as un chemin à droite, ça monte. Tu vois là, t'as l'école, Oui, tu sais là où il y a des gens, ils tracent tout droit des fois là. Ouais. Quand tu descends, des gens ils tracent tout droit, des fois ils t'as l'impression que tu vas leur rentrer dedans. Non, je vois plus là. Tu descends, t'arrives de la route d'Orphin. Tu descends. Oui. Voilà, là t'as les travaux. Oui. Et après t'as un croisement là. T'as la route principale et t'as une route qui vient comme ça. Des fois t'as les voitures qui viennent de l'école et elles traversent comme ça là. Oui, c'est hyper long ça, par là. Voilà, bah cette route là. Ouais. Bah quand tu montes. Cette route là, ouais. T'as un chemin en gravier. Ouais. En gravier. Je prends ce chemin là et j'arrive après. Et tu prends ce chemin là, tu retournes à droite, tu redescends une rue, t'arrives à un stop, tu tournes à gauche et t'as passé les travaux. D'accord, c'est récemment. Je t'appelle. Je suis perdu. Je vais devoir mettre les GPS. Bah bon. Demain, si tu travailles pas, tu vas pouvoir passer. Oui, c'est vrai. C'est bon, mais ça me fait. Ouais, t'es 34 troisième, une 24-031. Ah, Shark amélioré. Voilà. Il reste 4 tours. Il reste 5 tours, pardon. Pourquoi 5? Ah oui, le 23ème. Combien il tourne Christopher là? 24. Parce que ça se trouve Shark il va réussir à le rattraper. Une 24-une. Une 24-131. Une 23-179. Ah là, il est loin, il a... Il est loin, Charles, il est loin, mais il peut, hein, il peut, parce que les pneus vont s'effondrer, là. Les pneus de Christopher... En 3 tours, tu crois? Ouais, les pneus options, c'est horrible, hein. C'est horrible. D'accord, je crois. En même temps, je sais même pas... D'ailleurs, à Singapour, ils font 7-8 tours. Ah. Maximum. Comment tu tournes vite, quoi. Tout le temps. Bah, c'est ça, ouais. En plus, il est super tendre, donc c'est comme à Monaco. Non, mais c'est horrible, Singapour, il sert à rien, circuit. Ok, t'as pas de sortie de piste dans la pelouse ou quoi, parce qu'il n'y a pas de pelouse. Mais c'est une course d'eau. Moi je l'aime bien. Ah ouais. Enfin, avec le volant, je l'apprécie. Avec le volant, je l'apprécie. À la manette, c'est un calvaire, mais au volant, je l'apprécie. Bah, après, tu peux m'accélérer là-dedans. Bah, si, mais faut savoir s'y prendre. Quoi. Faut... Bon, bah, vas-y, dis que je suis une grosse merde. Non, mais je dis pas. Bah, c'est ce que t'as insinué, quoi. Mais non, il dit faut savoir s'y prendre, c'est-à-dire qu'il faut pas accélérer comme un cinglé, faut doser l'accélérateur, c'est tout. Faut doser.
dosée, la petite. Ah, c'est vrai, quand tu conduis une voiture qui fait je sais pas combien de chevaux, même une voiture basique, je sais pas. Quand tu prends un. Ah oui, la femme sur Mazara, tu glissais tout le temps, moi je glissais pas. Je sais pas combien. On en reparle, j'ai 3 minutes 20 pour faire pas le temps de l'hiver. Alors je vais juste te décrire. Juste. Non mais cherche pas. Non, c'est toi, c'est bon. Non mais, enfin, non, mais vas-y, retourne sur GP Monza là et chut. Cherche pas. Mais je dis pas que t'es une fois. Attends. Ta gueule. Non, je te le dis, ta gueule. Je dis ta pas gueule, que... il est 3 tours. Je dis pas que t'es une fois. Il est 2 tours. Dans 3 tours. Non, toi t'es chiant quand tu gueules parce que tu pètes les oreilles. Je dis pas que t'es une troll. Et toi? Je dis pas que t'es une troll parce que... Non, 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 je t'entends rien, non. Vieille meuf. Merci. Tu peux parler quand même du GP, hein. T'as plus envie? Je pense que je cherche un peu bon quand même. Pour faire comme d'habitude. T'es sérieux? Arrête là! Bon, bah vas-y, fais les yeux, t'as raison. Étouffe-toi. C'est bien. Un chat qui est bien revenu quand même. Il est bien revenu, Charles, parce que tout à l'heure, quand il était là, Christopher était déjà dans le virage. Mais j'ai pas suivi là, en fait. Parce que là, t'as Mathieu. Ah, mais t'as rien pour regarder la mini-car. Ah, je parlais de la mini-car. Et ils sont où? Attends, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bah, ils sont loin quand même. Ouais, ils sont loin, mais je t'ai dit, Charles, quand il passait le drapeau à damier là. Ouais. Christopher était déjà dans le virage, alors que là, non, il était pas. Ouais. Regarde comment il se rapproche, là. Ouais, non, tout à l'heure, ils étaient plus proches que ça. Non. Bah, je te dis que si... Non, c'est pas possible! Comme je te l'ai dit, il y a... il y a bébé. Christopher qui avait pas encore commencé le virage... Celui-là, là. Non, ça, c'est Ascari. Et Charles qui sortait de notre... Oui, mais il se rapproche. Là, il se rapproche, regarde, il sort d'Ascari, il rentre la charte. Je vais parler de l'autre. Non. Bah, c'est l'ESMO. Quand Christopher était à Ascari, Charles, il sortait de l'ESMO. Oui. Et ben là, maintenant, il s'est rapproché, puisque Christopher, quand il sort d'Ascari, Charles, il rentre dans Ascari. Ils sont rapprochés, forcément. C'est toi qui n'es pas logique dans ce que tu dis, là. Non. Si Christopher il est dans Ascari et... Ça sert à rien de crier. Si Christopher il est dans Ascari et que Shark est à l'ESMO. Oui. Donc forcément quand... Mais il l'avait déjà passé, Shark. Oui. L'autre. Oui. Là, là, quand tu m'as dit regarde, il y a Christopher qui était dans Ascari et Blondin, n'importe quoi. Non, il est Christopher. Et Shark qui sortait pas encore du virage. Ben non, parce que là ils étaient à l'ESMO. Ils étaient tout juste à l'ESMO. Bon, bah tu regarderas la vidéo. Oui. Non, mais tu vas pas réussir à donner. Il suffit d'une erreur. Non, mais tourne. Christopher, tu auras dominé de bout en bout. Ouais. Il aurait fallu un ou deux tours en plus. Pour charger. La première victoire de Christopher, tant attendue. De toute façon, là, ouais, là, ils font la bonne opération sur le bon. Oh, attention. C'est bon, il est plus grave. Ah, il peut être content. Salut son mur. Ah, on n'aura pas trop près de la ligne. Et il y a une dernière T34 qui va finir 3ème. Oh là là, attention, bataille finale pour la 4ème place entre Keops. Oh, attention, entre Keops et Hamilton. Et derrière, il y a encore une bataille. Ah, vous accrochez pas là. Oh là là là. Ah,
Mon dieu. Crise cardiaque, moi. Oh là là, et Kiops qui souffle la quatrième place à Hamilton. Et derrière, Ricky et Mathieu. Bon. Ah. C'est fini, bien. Et Greg qui termine dernier, 8ème place. Ah. Ouais, bah, messieurs, dames, ce fut un grand prix passionnant, plein de rebondissements, et puis rendez-vous à Singapour pour une pluie d'abandon et de safety car. Au revoir.